Certaines vedettes un peu délaissées par les médias sont à coup d'éclat. Alors un vol de bijoux de plus d'un milliard de centimes, cela émeut-il l'attention des gens? Mon Dieu, voulez-vous allusion à ce professionnel qui invente de tout siècle pour que leur nom, quelque peu oublié, soit de toute façon ou d'une autre dans ce journal télévisé? Et vous devinez admirablement bien. Allez-vous seulement, j'ai besoin de tubes. Non, c'est vrai, pas vraiment. Mais pourquoi vos bijoux n'étaient-ils pas au coffre de l'hôtel? Pour les vrais que je porte, pour les faux qui sont au coffre. Bien sûr. Le coffre de l'hôtel, on ne trouve jamais le gardien. Et dans votre chambre, comment se fait-il que vous n'ayez rien entendu? Voyez-vous, il m'arrive de prendre des cachets pour dormir. Ce soir-là, c'était le cas. Ces bijoux, ils représentent réellement la valeur d'un milliard de centimes? Assurez-vous, 10 millions de francs longs. C'est tout ce qui me reste. Vous pensez bien, inspecteur, que je n'ai pas le cœur léger. D'autant plus que chacun d'entre eux représente un film ayant marché très fort. Quel hommage! Mes bijoux, on met mes couronnes, mes couronnes, les jours, je te vois,
Bonjour.